Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie, le frère de grand, l'ami de Herman. Hein Jean-Marie? Ami d'Herman. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous mes frères, bonsoir à tous mes amis. Bon dimanche, bon après-midi, bon, trop de bonnes choses pour vous. Ah, ça fait plaisir de vous avoir sur le réseau. Ça fait plaisir d'être en connexion avec vous. Et j'ai lancé le live à 16h. Bon, je n'avais pas pris, excusez-moi, je n'avais pas pris conscience que Stéphane était en ligne. J'avais fait déjà une annonce que j'allais faire à 16h. Donc, à 16h, je m'étais préparé pour lancer le live. Et c'est Mathieu, bonsoir Mathieu et merci, qui m'a fait signe que Stéphane Tchoumbou était en ligne. Alors, j'ai raccroché le live, j'ai effacé pour recommencer. Salut Hervé, Merian, mon petit. Ah ouais. Inviter les amis. Il n'y aura pas de musique aujourd'hui. Il n'y a pas de... Salut Anne-Marie. Salut. Donc, on attend un peu les amis, on se demande, on cause un peu, comment ça va, comment vous allez. Moi, je vais bien, c'est janvier. Je vous avais dit que à janvier, les choses vont recommencer. J'avais dit en décembre, en début décembre, qu'en janvier, les choses vont recommencer. La politique va reprendre plus de l'ampleur. Vous avez remarqué que dans la scène politique camerounaise, il y aura beaucoup plus... À partir de janvier, beaucoup plus de mouvements politiques, beaucoup plus de tensions politiques. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les Camerounais, le peuple camerounais, c'est un peuple qui... C'est un peuple qui est croyant. C'est un peuple qui croit en Dieu, en Jésus-Christ. Et lorsque tu es croyant, tu... Il y a quelque chose, avant le Cameroun, avant ton pays, avant ta famille, avant tes frères, avant tes sœurs, avant ta femme, avant ton mari, avant tes enfants, il y a quelqu'un qui est central. Il y a une image qui est centrale, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de ton sauveur. Vous comprenez? Et le fait que cette chose soit centrale fait en sorte que tout est secondaire. Tout chez les Camerounais secondaire lorsqu'il s'agit de Dieu. Salut Clarisse, salut. Lorsqu'il s'agit de Dieu, de Jésus, pour les chrétiens, et de Mahomet ou Mohamed pour les musulmans camerounais. Tout est secondaire. Et en décembre, nous célébrons dans le monde entier la naissance de Jésus. Nous ne célébrons pas avec autant d'intérêt la naissance de nos enfants, la naissance de nos parents, la naissance de nos ancêtres, la naissance de nos leaders politiques, la naissance de nos chefs d'État, la naissance de nos penseurs. Non, nous célébrons la naissance de Jésus. Et lorsque la célébration de la naissance d'un enfant, l'enfant le plus important du monde, arrive, tout est secondaire. Même la politique est secondaire. Même les problèmes de manger, de boire, de se soigner sont secondaires, sont même parfois tertiaires. Bon, Mohamedou Adinan, je vais très bien. Merci, merci aussi à toi. Pareil à toi. C'est secondaire, c'est tertiaire, c'est... Hein? Ce qui ramène les Camerounais, ce qui ramène maintenant la lutte politique, et le mouvement politique, les idées, la lutte des idées politiques sur la scène, c'est que c'est janvier. Nous avons déjà fait ce que nous devons faire, parce que nous sommes conditionnés à faire certaines choses à certains moments. Je veux que vous compreniez très bien la psychologie. Je l'ai dit en décembre, début décembre. Allez suivre mes lives de début décembre, début mi-décembre, où je faisais comprendre que... Ça ne sert, les Camerounais ne vont pas vous écouter pendant jusqu'en décembre. Ils veulent fêter la naissance de l'enfant le plus important du monde. Pendant que leurs propres enfants sont en train de mourir de tuberculose, de cancer,
une nouvelle maladie, même d'autisme. Salut Berlise, salut. Donc, en janvier, ils auront tout dépensé, ils auront tout perdu, ils auront, on leur aura tout retiré. Et ils vont être face à la réalité qu'en fait, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité et que le combat doit continuer et qu'ils doivent se battre. C'est alors là qu'ils vont revenir parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont rien. Et c'est lorsqu'ils n'ont rien qu'ils prennent conscience qu'il faut parler politique, qu'il faut s'intéresser à son peuple, qu'il faut dire des choses, qu'il faut maintenant... Maintenant, vous avez vu que ça ressort. Ça ressort. Ça ressort. Donc aujourd'hui, je vais passer un petit temps avec vous où je vais partager mon avis. Je vais faire des commentaires. Et peut-être je ne serai pas celui qui tape sec comme vous vous attendez. Peut-être je serai celui qui est même pire que ce que vous vous attendez. Mais là n'est pas le point. Le point est que nous allons ensemble réfléchir. Nous allons ensemble mettre à l'usage le cortex frontal. Le cortex, cette partie du cerveau qui nous diffère des animaux. Le cortex. C'est cette partie du cerveau qui nous diffère du chimpanzé, du chien, du serpent, de je ne sais pas quoi, de tous les reptiles. Voilà pourquoi ceux qui ne font pas usage de cette partie, on les appelle quoi? Des reptiliens. On ne les appelle pas les reptiliens parce qu'ils ont un corps de serpent. Non, c'est parce qu'ils utilisent le même cerveau que celui du serpent. Ok. Donc, d'abord, premièrement, moi, je vais faire un commentaire sur la sortie du président élu Maurice Kamto. Parce que, selon moi, c'est le président élu par les Camerounais en 2018. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas le président élu parce qu'il m'a prouvé qu'il est élu. C'est parce que je l'aime qu'il devient président élu. Comprenez très bien. Maurice Kamto n'est pas élu parce qu'il m'a prouvé qu'il est élu. C'est parce que je l'aime qu'il est président élu. Pour ceux donc qui ont la gêne d'entendre président élu Maurice Kamto, je pense que vous devez commencer déjà à prendre, vous faire vos bagages et disparaître. Pour ceux qui pensent que Maurice Kamto aurait gagné les élections et c'est pour ça que je le supporte, faites bagage et vous partez. Non, c'est une question d'amour. L'amour précède la raison. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui donne, on lui trouve des qualités. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui trouve des qualités. C'est pas parce qu'il a des qualités qu'on l'aime. Non. Sinon, les Camerounais n'aimeraient pas M. Biya. Sinon, les Camerounais ne supporteraient pas un régime qui les appauvrit. Sinon, les Camerounais ne seraient pas en captivité et accepteraient la captivité. C'est que, en fait, ils aiment et ils trouvent en M. Biya, au régime Biya, des qualités. Et moi, j'aime Maurice Kamto et je trouve en Maurice Kamto des qualités. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Invitez les amis. Il y a Berlise qui demande, est-ce que ce n'est pas par rapport à son programme politique? Non. Ce n'est pas par rapport à son programme politique. Je l'aime. Et l'amour, vous-même vous le dites tout souvent, vous dites, l'amour est aveugle. L'amour a des raisons que même la raison ignore. C'est ce que vous dites. Pourquoi vous voulez donner
à l'amour que vous avez pour un homme des raisons. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce que c'est là le piège. Le piège est que tout le monde va vous pointer. Oh, le programme politique de Kamto, combien d'entre vous, combien d'entre nous, combien de Camerounais ont pris le temps de lire le programme politique? Non, la politique, vous devez comprendre quelque chose, c'est une guerre de la perception. La politique est une guerre de perception. Ce n'est pas, ou bien une lutte de perception. Ce n'est pas toujours la vérité, celui qui a raison qui gagne. C'est celui qu'on perçoit comme celui qui a raison qui gagne. Et la raison en général est fondée, dans un peuple comme le peuple camerounais, la raison est fondée dans l'amour. Puisque les Camerounais ne sont pas éduqués, les Camerounais n'ont pas l'électricité, les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais n'ont pas de vie, les Camerounais sont préoccupés par les choses tellement primaires qu'ils n'ont pas le temps de lire les raisons logiques, rationnelles. Pourquoi ils doivent aimer un président? Pourquoi ils doivent aimer tel politicien par l'autre? Ils ne savent même pas pourquoi ils aiment quelqu'un. Pourquoi ils doivent voter pour quelqu'un? Et il faut qu'on soit honnête avec ça. Que qu'on comprenne que l'amour que nous avons pour les gens n'a pas de raison. C'est pour ça que nous disons que nous tombons fou amoureux. Je suis tombé fou amoureux de cette fille, de ce gars. Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux? Ça veut dire qu'on est quitté de nos pédestals de la raison dans les abysses de l'irrationnel, dans les abysses de l'oblivion où on ne sait même pas pourquoi on aime. Mais puisque ça fait honte de tomber dans les abysses de l'irrationnel, on cherche à rationaliser notre amour. On dit je l'aime parce que, je l'aime parce que, je l'aime parce que, je l'aime parce que. Pour se consoler nous-mêmes que, oui, je sais pourquoi je l'aime, je suis encore debout, je ne suis pas fou, je suis normal. Non, moi je suis fou d'amour. Je suis fou d'amour pour Maurice Kamto. Et je n'ai pas besoin de donner des raisons. Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, quelque chose qui m'a marqué cette semaine, c'était la commémoration des indépendantistes camerounais. Ernest Ouandié, l'anniversaire de sa mort et consort. Maurice Kamto est l'un des témoins oculaires vivants, donc contemporains de cette mort. Il est le principal opposant. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il c'est même lui, il n'est pas un opposant. Mais je vais pas dans leurs termes, je vais prendre les termes du régime Biya, les termes de la France, du régime français qui soutient le régime Biya, du régime américain qui soutient le régime Biya, de tout le monde. Il est le principal opposant camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant témoin oculaire de la mort d'un indépendantiste camerounais, lui se battant, contemporain, se battant pour le même projet, avec quelques petites différences, parce que le monde a évolué. Je n'ai pas accepté qu'on ne lui ait pas donné la parole. Je n'ai pas accepté qu'Equinox, qui est la seule chaîne sur laquelle nous comptons, en tant que peuple camerounais, Equinox qui est la seule chaîne qui se présente comme étant la chaîne du peuple camerounais, la chaîne de l'éducation, la chaîne qui ouvre les yeux, la chaîne qui veut le changement. Je n'ai pas accepté, intérieurement, je n'ai pas accepté le fait que, bonsoir alors Mink, bonsoir ma soeur, je n'ai pas accepté le fait que Equinox n'ait pas pu inviter Maurice Kamto à base de toutes ces données-là, ne pas inviter Maurice Kamto à la vérité en face. Au moins, pour qu'il parle. Parce que la parole de Maurice Kamto sur cette affaire
aurait fait un impact, aurait créé une situation bouleversante pour le conscient collectif. Je sais que Maurice Kamto en a parlé en général, quelques bribes ici, par là. Mais il y a même une vidéo sur Maurice Kamto où il parle de la mort d'Ernest Ouandié et qu'on sort. Mais il n'était pas question de revenir sur une ancienne partie de la vidéo. Maurice Kamto n'est pas mort. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Maurice Kamto n'est pas mort. Maurice Kamto est vivant. On pouvait inviter Maurice Kamto, lui donner la parole. Afin que Maurice Kamto puisse s'exprimer à chaude voix. Mais puisque nous vivons dans un pays où on tue l'esprit, on veut tuer l'esprit nationaliste, on veut dire nationaliste, ça ne veut pas dire raciste ou tribaliste ou bien contre les autres peuples ou les autres races. Non, on veut tuer le conscient collectif national des Camerounais et on sait exactement qui le représente actuellement au Cameroun. Qui est le Ernest Ouandié actuel? S'il fallait faire pas, il fallait créer, comment on peut dire, des assimilations. Maurice Kamto, alors il faut lui interdire la parole. Remarquez que Maurice Kamto passe plus son temps dans les réseaux sociaux. Toutes les chaînes du Cameroun lui ont refusé la parole. Remarquez-le très bien. Toutes les chaînes radio, télévision du Cameroun sont interdites de lui donner la parole. Je ne pense pas que le président élu Maurice Kamto est assis chez lui et il connaît le travail politique qu'il a fait, le travail d'éducation qu'il demande aux gens de faire. Quand il demande vous de faire, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas qu'il n'est pas en train de faire, ce n'est pas qu'il ne peut pas faire. Au Cameroun, Maurice Kamto est pris en otage par les médias. Les médias sont un moyen d'expression aujourd'hui. On veut faire de lui le président des réseaux sociaux. Et pendant ce temps, les Camerounais au pays n'ont pas les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'Internet à tout vent. Ce qui fait en sorte que quand Maurice Kamto parle, à 80%, 60% dans les réseaux sociaux, ce sont ceux qui ont les moyens de le suivre qui le suivent. Les autres auront des bribes de son discours. Pendant ce temps, au Cameroun, des jeunes qui ont besoin de son message au Cameroun sont privés. Ils sont bombardés sur Canal 2. Sur Canal International, sur STV, sur SIA TV, sur Equinox, ils sont bombardés. Et toutes les autres chaînes, ils sont bombardés de ce qui se passe au Cameroun. Et ce que le régime veut que les jeunes Camerounais écoutent, entendent. Donc, c'est un peu ce qui me gêne très souvent sur. Quand je vous dis que dans une dictature, j'ai fait un live vendredi où je dis que dans une dictature, il est impossible. Tant que nous n'allons pas comprendre ça, nous ne serons pas libres. Dans une dictature, il est impossible d'évoluer. Il est impossible de s'exprimer. Il est impossible de prendre position. Toute chaîne de télé, toute chaîne, tout média qui fonctionne dans une dictature et fonctionne vraiment. Je vous assure à 80% que ce sont des chaînes, des télés, des médias, même Equinox. Ce sont des chaînes qui ont donné quelque chose au dictateur ou à la dictature. Ils ont donné quelque chose. Ils ont sûrement eu à dealer sur le peuple camerounais. Moi, ça, c'est mon avis propre. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que. Quand je regarde les thèmes qui sont discutés sur les chaînes de télé, je regarde les invités et leur façon de parler, j'ai l'impression que, en fait, on ne veut pas changer le Cameroun. On ne veut pas un nouveau gouvernement, on ne veut pas un état de droit, on ne veut pas une réelle démocratie. On essaie de faire comme si. On chatouille un peu le peuple camerounais. On le chatouille, on le chatouille, on le chatouille. On le chatouille, on le chatouille. Vous savez, quand on chatouille un enfant, il rit. Il ne rit pas parce qu'il est content, il rit parce qu'il est chatouillé. Le contentement ne vient pas du fait que peut-être il a atteint quelque chose.
Le peuple camerounais est content d'Equinox. Ce n'est pas parce que ce qu'Equinox fait transforme les choses, transforme leur quotidien. Non. Vous pouvez montrer toutes les sales routes du Cameroun. Toutes les sales routes du Cameroun, ça ne changera rien. Rien du tout. Toutes les sales routes du Cameroun, ça ne changera rien, rien du tout. Donc, pour moi, c'était un commentaire que je voulais faire. Et le président élu Maurice Kamto dit ceci, grosso modo, dans sa sortie, que nous sommes responsables. C'est ce que moi aussi, j'ai passé le temps à dire. Parce que tant que nous n'allons pas prendre la conscience, nous allons prendre la conscience que nous sommes responsables. Tant que nous ne serons pas conscients que, en fait, le régime Biya existe à cause de nous. Le régime Biya existe parce que nous lui donnons l'occasion d'exister. Nous n'allons pas vraiment le changer, même si nous le voulons. C'est un peu comme si vous avez une maison et puis c'est quelqu'un d'autre qui a la clé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, Laure Mink, ma soeur, peut vous dire, si vous la connaissez, vous la rapprochez, parce que moi, toutes mes histoires, en fait, sont personnelles, sont souvent, c'est ce que j'ai vécu. Tu sors, tu pars à la fête du quartier, je ne sais pas où, dans tes mapanes et tout, tu rentres à la maison à minuit, ou bien à l'heure où les portes sont fermées, ou la bailleresse de la maison, donc le patron a fermé les portes. Quand tu viens, tu cognes ou tu sonnes, on te dit, rentre dormir où tu étais. Tu ne voulais pas dormir ici. N'est-ce pas? Rentre dormir où tu étais. Tu ne voulais pas dormir ici. Parce que, en fait, tu n'as pas les clés. Ça veut dire que quand si tu veux dormir ici, tu vas te rassurer que tu viens ici quand celui qui a les clés. N'a pas encore fermé la porte. Tu n'es pas responsable. Et chez nous, quand on est responsable, c'est quoi? C'est que tu as ta chambre, ta maison et tu as les clés. Là, tu peux entrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux. Mais si tu refuses la responsabilité, tu ne peux rien changer. Tu ne peux pas changer qu'à l'heure à laquelle tu entres, à l'heure à laquelle tu sors. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui a les clés. Et Maurice Kamto ici fait appel à la responsabilité collective des Camerounais. La prise de conscience que, en fait, c'est nous qui sommes responsables de l'état de destruction du Cameroun. Nous avons participé, chacun d'entre nous a participé. Tant qu'on ne va pas prendre conscience de ça, beaucoup d'entre nous ne vont pas aussi s'engager dans la lutte. Ce n'est pas seulement Biya qui a parti. Nous avons fait Biya. Parce que comment il a fait pour tenir 38 ans au pouvoir? Il a fallu que tous les leaders politiques, que les partis politiques, que la société civile, que le peuple camerounais aient participé à ça. Et ce n'est que quand le peuple camerounais, les leaders politiques, les partis politiques, la société civile va prendre conscience qu'ah ouais, en fait, c'est vrai ce que Maurice Kamto dit. Alors, ils peuvent, la possibilité qu'ils prennent la décision de changer, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Que ça continue est grand. En plus, c'est eux qui ont les clés. Ils savent que c'est moi qui ai mis, c'est moi qui ai ouvert la porte, c'est moi qui l'ai fermée, c'est moi qui peux la fermer, c'est moi qui ai fermé la porte, c'est moi qui peux l'ouvrir. Son message était très profond et c'était en cohérence avec ce que je dis tous les jours. Il y a des gens qui disent que Maurice Kamto a félicité l'ambassadeur du Cameroun. Non, du tout. Pour celui qui comprend le concept de responsabilité individuelle, comprend Maurice Kamto et sa sortie sur l'ambassadeur. Il n'est pas en train de dire que la France n'a pas sa part de responsabilité, mais c'est la France qui doit reconnaître sa part de responsabilité. Et nous, en tant que peuple camerounais, nous devons reconnaître la nôtre, c'est tout. Si la France refuse de reconnaître la sienne, mais que nous, nous reconnaissons la nôtre, on peut changer la donne. Puisque nous prenons les choses en main, puisque nous nous engageons, puisque nous mettons la pression, puisque nous allons faire des choses qui vont dans le but de changer. Donc, quand on est face à un problème avec quelqu'un,
Maurice, calme-toi à un niveau de compréhension de la responsabilité. Voilà pour quand on est en face, quand on est en conflit avec quelqu'un ou bien qu'on a les problèmes, des différends avec quelqu'un, l'habitude, ce que nous on fait dans la vie de tous les jours, c'est qu'on accuse autrui. On dit que l'autre est responsable. Mais on ne comprend pas ce que ça insinue. Ça insinue que l'autre est celui qui est mon maître. Il peut me rendre malheureux, il peut me rendre heureux. C'est l'autre, c'est pas moi. Mais ce qui est normal à faire, ce qui est sage et intelligent à faire, c'est de dire, je suis responsable de cette situation et je vais la changer. Je, moi, moi. C'est ce qui est intelligent. Ce n'est que comme ça qu'on change les choses. Ce n'est que comme ça qu'on change les choses. Ce n'est pas que tu ignores la responsabilité de l'autre, mais tu laisses à l'autre l'occasion, l'opportunité de reconnaître sa part de responsabilité. Et en plus, s'il ne reconnaît pas, tant pis pour lui, puisque en fait, toi, ça ne te concerne pas. C'est toi qui es responsable. Tu es concerné par ta responsabilité. Donc, Maurice Kamto n'a pas félicité l'ambassadeur. Il a reconcentré l'énergie de responsabilité sur le peuple camerounais pour résoudre les problèmes du Cameroun. Ça, c'est un chef d'État. Hormis que c'est un chef d'État, ça, c'est un grand homme. C'est ce qu'on appelle les hommes. On dit que dans un pays, il y a un homme. Voilà un homme avec grand H. Bien qu'il fait de la politique, il a des qualités extra que beaucoup n'ont pas encore au Cameroun. Beaucoup de leaders politiques n'ont pas encore au Cameroun. Heureusement pour nous. Pourquoi Maurice Kamto fait cette sortie? Maurice Kamto fait cette sortie il y a quelques heures. À mon avis, c'était pour passer un message clair à toute la classe politique du Cameroun. À tous ceux qui ont la capacité de changer les choses. À tous ceux qui ont la parole au Cameroun, les leaders d'opinion. C'était un message clair pour les leaders d'opinion. Que ce soit dans le, que ce soit dans l'opposition, considérons que le MRC est le parti au pouvoir, considérons l'opposition, c'est dans le RDPC et tous les autres partis, naturellement. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans son propre parti. Et que tant que nous n'allons pas reconnaître, nous, leaders d'opinion, nous, personnes qui avons la parole, nous, politiciens, tant que nous n'allons pas reconnaître notre propre responsabilité, nous n'allons jamais rien changer dans ce pays. Même si nous le désirons. Même si nous le désirons. Et son message sort après la sortie de vendredi soir, très tard dans la nuit, de Madame Ndoki. Maître Ndoki, cette sœur camerounaise, qui est une figure de la résistance au début. Particulièrement au début. Remarquez que cette sortie sort après le live de Madame Ndoki. Et je vais vous montrer le lien qui est entre le live de Madame Ndoki et la sortie du président élu Maurice Kamto. Selon moi, c'est toujours mes avis, mon avis. Madame Ndoki est sortie. Moi, je n'ai même pas vraiment suivi le live. Je n'ai pas suivi le live entièrement. J'ai trouvé, après mon live de vendredi, j'ai trouvé qu'ils étaient en live déjà. Et ils étaient en train de parler. Et puis bon, le sommeil m'a pris, il était près de minuit. Et j'ai éteint mon téléphone, je me suis endormi. Mais j'ai suivi certaines parties où elle parlait de la transformation d'abord intérieure des Camerounais, quelque chose que je trouve fabuleux. Où elle parlait du respect
qu'on devrait donner, je ne sais pas à qui, soit au président, mais c'était un peu flou dans ma tête. Honnêtement, je suis honnête avec vous, je n'ai pas suivi tout le live. Mais là n'est pas le plus important pour moi, puisque je la suis depuis 2018. Puisque je la connais depuis 2018. Donc, c'est pas tout ce qu'elle a dit là-bas, vendredi, n'est pas nouveau pour moi. Je peux savoir ce qu'elle a pu dire. Mais je suis lu les réactions des Camerounais sur la toile. Et moi, je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné du tout. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que le problème, remarquez, toutes les personnes dans la résistance du peuple camerounais qui sont de fervents croyants, ça veut dire qui ont des tendances religieuses approfondies, ont le même comportement. Vous n'avez pas constaté? C'est. Les gens peuvent avoir des tendances religieuses, oui, un peu superficielles, mais il y a des gens qui les ont approfondies. C'est des prieurs. C'est des croyants. Ils sont profondément conditionnés par la religion. Ils sont profondément conditionnés. Ces personnes sont profondément conditionnées par la religion. C'est-à-dire, leur façon de percevoir tout le monde qui leur entoure, leur environnement, leur façon de faire la politique, leur façon d'agir, vous allez ressentir la religion se bercer, faufiler, conduire leurs actions, leurs pensées. Madame Doki, en fait, est pour le changement. Attention, je vous le dis ce que moi je pense. Madame Doki est pour le changement, mais elle ne sait pas qu'elle lutte contre le changement. Madame Doki, elle souhaite le changement. Elle veut le changement au Cameroun. Mais elle ne sait pas que tout ce qu'elle fait, c'est contre le changement. Parce qu'elle se dit qu'elle parle bien, elle se dit qu'elle a les paroles reposantes, qu'elle a une belle voix, qu'elle est une femme éduquée, qu'elle est une femme civilisée. Elle se dit que ça suffit pour changer les choses. C'est ce que les gens se disent souvent, que lorsqu'ils ont un peu fait des études, ils sont civilisés, ils ont vécu avec certaines classes, une certaine classe, une certaine frange de la société, qu'ils sont, je sais pas, ils ont fait des études, des grandes études dans les écoles, ils ont travaillé dans des grands milieux occidentaux et tout, ils ont souvent l'impression que la somme, l'emballage des mots qu'ils ont dans leur esprit, ces mots suffisent pour changer les choses. Madame Doki, en fait, est une victime de la positive, la pensée positive, la philosophie de la pensée positive. Madame Doki est une victime de la pensée positive. Il y a une chose dangereuse que les Américains ont eu à répandre dans le monde, c'est la philosophie de la pensée positive. Carnegie, je ne sais pas, Andrew Carnegie, je ne sais plus, qui a écrit le livre Comment influencer les hommes, et je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, excusez-moi, je ne me rappelle plus très bien. Était le deuxième livre le plus vendu, le deuxième livre le plus lu dans le monde, il y a quelques années. Comment devenir soit riche et influencer les hommes, un truc comme ça. Après la Bible, c'était le livre le plus lu.
Et dans merci Carnegie, ok, ou Carnegie ou something like that. So, donc c'est un livre qui a influencé, mais vous devez connaître d'où est-ce que ce monsieur. Qui est ce monsieur? C'est un chrétien, un fondamentaliste chrétien. La pensée, la philosophie de la pensée positive est simplement le bébé de la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, on vous dit, pense que tu es guéri et tu seras guéri. Pense que tout va bien et tout sera bien. Pense que ta vie donne et ta vie donne. La pensée positive, la philosophie de la pensée positive fait pareil. Elle te dit, pense que ton compte en banque est plein et il sera plein. Il suffit de penser que c'est plein. Il suffit de penser que Monsieur Biya est un bon président et nous aurons le changement. Il suffit de dire ça. Il suffit d'intérioriser. Il faut le respecter. Il faut dire que Monsieur Biya est bien pour que le changement arrive. Il faut éviter de mettre Kamto. Il faut éviter ceci. Il faut éviter d'insulter. Il faut éviter de dire les faits. Et Maurice Kamto sort et dit les faits. Pendant que Madame Doki dit, arrêtez de parler de ce qui est mal. Arrêtez de dire qu'il vous a volé. Arrêtez de dire qu'il est méchant. Arrêtez de dire qu'il a créé la guerre. Arrêtez ça. Parce que quand vous arrêtez ça, tout est bien. Lorsque vous avez tout arrêté ça, c'est bien. Nous aurons le Cameroun tant que nous voulons. Parce que ça va nous permettre de plaire à ceux qui ne veulent pas le changement. Parce que ceux qui ne veulent pas le changement au Cameroun ont juste besoin d'être plus. En fait, ils veulent le changement, mais ils veulent qu'on les flatte. Ils veulent qu'on leur dise des bons mots, qu'on leur dise qu'ils ont bien travaillé, qu'ils n'ont pas tout fait mal. Parce que s'ils ont tout fait mal, alors ils ne voudront pas le changement. Il faut qu'on leur dise qu'ils ont quand même fait certaines choses bien. Qu'on les respecte. La philosophie de la pensée positive t'empêche, te refuse de faire face à la réalité. Si tu vois quelque chose qui est noir, tu ne dois pas dire que c'est noir. Tu dois dire c'est blanc. Parce que si tu dis que c'est le noir qui va toujours venir dans ta vie. Si tu dis que c'est blanc, tu peux plaire au blanc. Et le blanc peut arriver dans ta vie. Et ça marche toujours. À 99% des cas, ça marche. Par exemple, si vous dites, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, et que vous mourrez, et qu'un de vos oncles meurt ou votre papa meurt, n'est-ce pas? Et qui vous laisse des millions, Dale Carnegie a raison, la fille, ça marche. Par chance, votre oncle, votre papa vous a laissé des millions. Et si ça n'arrive pas, vous vous en voulez de ne pas être positif forcément. Si c'est que vous dites, j'ai des millions, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, et que ça ne change pas, vous allez vous en vouloir, vous allez vous condamner d'être. Vous allez vous dire, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas trop positif, ou peut-être parce que vous n'avez pas. Parce que ça n'a pas marché. Vous allez vous dire, oh, c'est sûrement vous. Vous n'avez pas été positif assez. Et dans le domaine politique, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. C'est ce que Madame Doki est en train de dire. Que les Camerounais doivent pouvoir
voient ce qui n'existe pas s'ils veulent changer. Les Camerounais doivent voir que Biya a bien géré le Cameroun. Ils doivent respecter quelqu'un qui a géré le Cameroun de cette façon. Voilà un monsieur qui a mis le Cameroun à terre. À terre, à plat ventre, qui a enterré le pays avant de mourir. Mais on vous demande de respecter son image et sa position, la position de son image, le statut de son image. C'est ce que Madame Doki vous demande de faire. Que ce quand vous allez respecter le statut de son image, puisque de toute façon lui-même il n'est pas là, alors vous pourrez gagner le cœur des Camerounais. Les Camerounais vont vous sentir tellement aimable. Les Camerounais vont vous trouver tellement bon que vous avez dit que Biya n'a pas changé le Cameroun. Alors ils vont vouloir vous passer le pouvoir. Ils vont vouloir résoudre le problème de la crise anglophone. Ils vont vouloir résoudre, créer un code électoral consensuel. Bonsoir, Tracy. Flattons les Camerounais. Flattons les gens du régime. Disons-leur qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. Madame Doki le dit parce que c'est une femme. Hormis qu'elle est politicienne, elle a aussi quelque part la mentale, la psychologie d'une femme. Une femme en plus camerounaise. La majeure partie de ces femmes sont des flatteuses. Elles flattent leur mari. Parce qu'on leur passe le temps en leur montrant les lives, comment faire pour que ton mari te couche la nuit pendant sans qu'il n'aille pas regarder à l'extérieur. Donc flatte-le, dis comme ça. Si tu veux la chaussure, fais comme ça, fais comme ça. Si tu veux qu'il te fasse l'amour, fais comme ça, fais comme ça. Donc fais des tricks, flatte. Fais des flatteries, prépare la bonne nourriture. Ne prépare pas la bonne nourriture parce que tu aimes la bonne nourriture. Prépare la bonne nourriture parce que tu veux avoir l'argent pour acheter les chaussures. Donc, elle a cette mentalité. Elle se dit, on peut flatter Biya. On peut flatter le régime Biya. On peut flatter le régime. On peut flatter Ngongo. On peut flatter Atanganji. On peut lui dire qu'il n'a pas fait tout de mal et puis les choses vont marcher. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai, chers Camerounais. Ce qui change les choses dans un pays, c'est le fait de regarder les choses en tant que réaliste. Réellement ce qui se passe. Le pays ne fonctionne pas. Oui, il y a une guerre au Nozo. Oui. Qui est à la tête du pays pendant que la guerre au Nozo, c'est Monsieur Biya. C'est tout ce que Madame Doki devait dire si elle était dans l'intention réelle de changer les choses. Elle devrait le dire. Ce n'est pas un manque de respect. Et pourquoi on devrait respecter M. Biya? Pourquoi on devrait respecter les dirigeants, les gouvernants, je ne sais pas quoi? Pourquoi? Pourquoi on devait les respecter? Est-ce que le respect est une leçon d'école? Le respect n'est pas une leçon d'école. Le respect est une conséquence de notre perception de la réalité, de notre regard sur la réalité. On ne peut pas respecter quelqu'un qui nous fait du mal. On ne lui manque pas de respect parce que nous sommes méchants, parce que nous, on veut tellement le déteste. On lui manque de respect parce que ce qu'il fait est digne de manque de respect. C'est tout. Vous pouvez respecter votre père qui veut coucher avec vous. Vous pouvez respecter votre père qui tape votre maman ou votre maman qui verse de l'eau chaude sur votre père. Mais vos oncles peuvent vous dire, tu n'as pas le droit de te fâcher contre ton père. Vos tantes peuvent vous dire, tu n'as pas le droit de porter parole sur ta mère parce que c'est ta mère. Mais est-ce que c'est parce que c'est ta mère que tu la respectes? Non, on respecte les gens par rapport à ce qu'ils font. Dans l'appel de Madame Doki au respect des Camerounais, du régime Biya et de Biya et des Camerounais, machin, c'est en fait la conséquence des
de l'éducation religieuse. C'est la conséquence de l'irresponsabilité, de la non-prise de sa propre responsabilité. Madame Doki pense qu'elle n'est pas responsable de ce qui se passe au Cameroun. Et que ceux qui sont responsables, il faut les flatter. Non, Madame Doki, vous êtes responsable. Madame Doki, vous êtes responsable actuellement de ce qui se passe au Cameroun. Il n'y a personne à flatter. Il ne s'agit pas des autres. Il ne s'agit pas de Biya. Il s'agit de votre prise de position. Madame Doki, il s'agit de votre prise de position. Que faites-vous de votre responsabilité? Vous allez me dire que, ah ouais, bon, votre responsabilité, c'est d'éduquer les Camerounais à respecter ceux qui les ont matés pendant 38 ans. Ceux qui les ont matés, pardon. Pendant 38 ans, pendant 40 ans, pendant des siècles. Ceux qui leur ont privé d'eau, d'électricité, de route. Ils doivent les respecter, quoi. Comment est-ce que des gens qui, eux-mêmes, ne se respectent pas, peuvent respecter Biya? Moi, c'est ma question. Ça veut dire que même si vous voulez que les Camerounais respectent Biya, vous devez d'abord créer des Camerounais qui se respectent. Et un Camerounais qui ne peut que se respecter s'il vit dignement. Et pour qu'il vive dignement, il faut qu'il soit dans un environnement qui crée des êtres humains dignes. Par ricochet, on doit commencer par le début. On doit commencer par le début. Vous ne pouvez pas éduquer à des personnes à qui on a retiré le respect, à qui on a détruit le respect dans leur cœur, de respecter parce que c'est un commandement de la Bible. Vous êtes habitué, Madame Doki, à lire les versets, les commandements de Dieu. Et vous pensez que la vie fonctionne avec les commandements. Vous oubliez que vous-même, Madame Doki, il vous arrivait plusieurs fois d'aller contre les commandements de Dieu parce qu'il s'agissait de votre propre existence. Il s'agitait de votre propre existence. Donc même les commandements de Dieu, parfois on y va. On dit Dieu, fuck you. Quand c'est plus fort que nous, on dit Dieu, fuck you. That is how it is. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Parfois, face à des situations, on dit « fuck you, Dieu ». Ce n'est pas parce qu'on déteste Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes méchants. Ce n'est pas parce que nous sommes des mauvaises personnes. C'est la situation qui détermine nos actions. Ce n'est pas Dieu. Mais Madame Doki est exactement le produit de la religion. Il faut bien faire, il faut calmer. Je vous avais dit, les religieux ont un problème avec la révolution. Toute la mentalité religieuse est conçue pour détruire, pour empêcher la révolution. Je vous dis, la Bible que les Camerounais lisent chaque jour, c'est un livre anti-révolutionnaire. C'est de la c'est la dictature bien détaillée. Il y a eu des morts en Gabou. Ce qu'eux, ils ont trouvé à faire. Madame Doki et toutes les femmes qui sont habillées en noir, je ne sais pas quoi. Elles sont, où sont-elles allées? Elles sont allées à l'église prier. Et je vous avais fait appel, je vous avais dit. Elles sont allées à l'église, puis on a montré Equinox. Oh Seigneur, les mains étaient comme ça là. Aide-nous. Résous le problème de la guerre. Toujours dans la supplication. Toujours dans le pli, la courbature. Même des choses qui sont les vôtres. Les choses qui vous appartiennent. Le Cameroun appartient au Cameroun. Madame Doki, le Cameroun vous appartient.
Madame Doki, ma soeur, ma mère, le Cameroun t'appartient. Tu n'as pas besoin de supplication. Tu n'en as pas. It's yours. C'est ton Cameroun. C'est ton pays. Si c'est que ça ne marche pas, fais ce qu'il faut faire. La prière ne change, n'a jamais changé la guerre, une guerre dans le monde. Si c'est que les prières changeaient la guerre dans le monde, c'est que tout le monde serait un endroit de paix parce qu'il y a les prières partout dans le monde. Ils sont plus nombreux que les guerres. Les prières sont plus nombreux que les guerriers et les guerres. On devait donc avoir de la balance. On devait, le plus nombreux devait gagner. Donc, Madame Doki, on ne gagne pas un régime, un système qui est ancré, une couleuvre ou une pieuvre, une raie qui a ses tentacules depuis plus de 3 décennies. On ne la gagne pas avec le respect. On ne gagne pas, le régime bien ne va pas tomber avec le respect. Parce que s'il comprenait le langage du respect, il n'aurait pas attendu 2018 ou bien 2020. Ils ne comprennent pas le langage du respect. Ils comprennent le langage de la révolution. Ils comprennent le langage de la tétutesse. Ils comprennent le langage de la mobilisation. Ils ont plus peur. C'est pour cela qu'ils ne vous tapent pas, Madame Doki. Ils ne vous font rien. Vous êtes là, vous continuez à travailler. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui sont dans les prisons. Qui sont ceux qui sont dans les prisons? C'est ceux qui sont sortis. Parce que c'est eux qui sont le problème de Biya. Le problème de Biya, ce n'est pas le respect. Et depuis que vous respectez Biya, ça ne change rien. Ou bien son régime. Et les Camerounais, depuis qu'ils respectent Biya, ça se voit, prend 8 ans avec Biya, c'est le respect. Tout le monde veut respecter tout le monde. Personne ne veut dire la vérité. Si tu tentes de dire quelque chose qui est, tu as manqué de respect. En plus, c'est le grand Biya, c'est un papa, c'est un patriarche. C'est quand même le gouvernement. J'entends souvent les chaînes de télé, ça veut dire que Madame Doki est d'accord avec toutes les personnes qui parlent dans les chaînes et qui disent que, voilà, un homme du MRC, voilà, les patrons du MRC, qui insultent toute une armée, l'armée nationale du Cameroun. Voilà les Camerounais qui insultent tout le gouvernement, tout un gouvernement. Mais moi, je vais insulter tout le gouvernement. C'est ceux qui ne sont pas mauvais dans le gouvernement qui doivent se défendre. C'est eux qui doivent faire les preuves qui ne sont pas mauvais. Vous ne pouvez pas dans un gouvernement qui a détruit le Cameroun. Et on insulte tout le gouvernement et vous, vous ne faites pas, vous ne vous levez pas et dites non, moi je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais pris. Personne ne veut parler. Et quand tu insultes le gouvernement, tu dis non, tu as insulté tout le gouvernement. Tu as manqué de respect à tout un gouvernement, à toute l'armée camerounaise. Mais l'armée camerounaise, ses actions ne méritent pas le respect. Même si dans cette armée camerounaise, il y a les colonels, les je ne sais pas quoi. Ça, c'est la flatterie. Dis que, oui, tout le monde n'est pas. Ça, c'est la flatterie. Parce que la réalité... ils sont en train de tuer. Même par leur non-participation, ils sont en train de tuer. Par leur non-dénonciation, ils sont en train de tuer. C'est de ça qu'il est question, Madame Doki. Et c'est ce qui manque aux Camerounais depuis plusieurs années. Des politiciens constants, engagés dans la vision de la libération du Cameroun. Beaucoup sont prisonniers de la servitude. Beaucoup sont, en fait, ont dédié leur vie à la servitude. Ils ne savent même pas. Et Madame Doki fait partie de ces personnes. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle se dit qu'elle donne des belles paroles. Elle calme les gens. Puisqu'à l'église, on demande de calmer les gens. Calmez-vous. Ma soeur, mon frère, calme-toi. Dieu va changer, baisse le niveau. Ça va arriver, calme-toi. Ça ne va jamais arriver. Et ce n'est jamais arrivé. Et si c'est arrivé, c'est arrivé par chance. Mais la chance n'est pas ce qu'un être humain veut.
L'être humain veut être maître de sa destinée. Le Camerounais veut être maître, ça ne veut pas être quelqu'un qui, par chance, quelque chose lui arrive. Donc même la chance, personne n'est d'accord avec. Tout le monde se dit, oh, j'ai la chance. Mais en réalité, personne n'est d'accord avec le fait que sa vie est une vie qui fonctionne sur la chance. Chacun veut être maître de son destin. Parce que la chance, ce n'est pas toi qui es le maître. Ce sont les situations, ce sont, je ne sais pas quoi, des facteurs extérieurs. Donc, on ne peut pas se calmer, Madame Doki. Le peuple camerounais qui s'est levé ne va pas se calmer. Et quelqu'un qui a pris ses responsabilités ne peut pas se calmer. Moi, je ne sais pas comment. Voilà pourquoi Maurice Kamto sort le samedi. Pour remettre que c'est la responsabilité des politiciens, la responsabilité des leaders d'opinion, la responsabilité des journalistes, la responsabilité du peuple camerounais entier, de la société civile, qui a tenu ce pays dans la captivité. Et nous tous, nous étions responsables. C'est après la sortie de Ndoki qu'il a fait sa sortie. Parce que posez-vous la question, pourquoi Maurice Kamto vient parler, le président élu Maurice Kamto vient parler des affaires du 26 et de je ne sais quoi. Pourquoi il vient parler de ça maintenant? Pourquoi maintenant? Non, il a, à mon avis, il a pris cette situation pour éclairer et pour dire aux leaders d'opinion, aux politiciens, à la société civile, à tous ceux qui ont la capacité de faire, d'agir dans le pays, qu'il s'agit de nous. Et que tant que nous serons en train de faire des caresses, tant que nous serons en train de vouloir tout calmer, tant que nous serons en train de vouloir bien parler, tant que nous serons en train de vouloir avoir une belle face aux yeux du dictateur et de la dictature, ben vraiment, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Ça n'a jamais marché. Faire les flatteries, les belles faces, ça ne marche pas. Dire que Gongo a bien fonctionné, que le ministre de la Santé a quand même bien fait ça, ce quand même-là, même le ministre de la Santé, quand tu lui dis que quand même bien fait, ça l'énerve. Ne croyez pas quand vous dites aux gens qu'ils ont quand même bien fait, ils sont contents. Non, le quand même pour eux, c'est un échec. Pour eux, quand même bien fait veut dire un échec. Donc ne pensez que pas quand vous dites à quelqu'un, il a quand même bien fait, il faut respecter parce qu'il a quand même bien fait ceci, la personne se sent content. Non, le contentement ne vient pas si vous avez reconnu une partie de ses bienfaits. Le contentement d'un homme vient lorsqu'il a totalement fait bien et qu'il est satisfait de ça. Ce n'est pas vous. Quand tu as bien fait ta chose, même si les gens viennent te dire que tu l'as mal fait, tu es confiant, tu sais que tu as mal fait. Les gens t'insultent, les gens, ça ne te dérange pas. Ça ne t'affecte pas du tout. Parce que tu sais ce que tu as fait. Les preuves sont là. Les faits sont là. Facts, comme on le dit en anglais. Mais cette psychologie, cette doctrine de la zombification. C'est ça, en fait, que Madame Doki vous avait fait. Beaucoup de gens viennent se me dire qu'elle n'a pas le droit de parler. C'est ça, un point, vous. Chacun donne son idée, vous venez. Non, elle donne son idée et je la critique. Elle a le droit de me critiquer. Donc, je ne suis pas contre Madame Doki en tant que personne. Comme je ne suis pas contre M. Biya en tant que personne. Je suis contre les idées. Et j'expose pourquoi ces idées, qui peuvent être intentionnellement bonnes, ne sont pas efficaces. Parce que beaucoup de Camerounais pensent qu'il suffit d'avoir de belles intentions. Non, les belles intentions ne suffisent pas. Monsieur Biya avait les belles intentions. La rigueur, le renouveau et le quoi. C'est des très belles intentions. Il semblerait même qu'il a écrit un livre avec de très belles intentions à l'intérieur. Le communautarisme populaire ou bien libéralisme communautaire ou le communautarisme libéral, il a écrit tellement de belles choses, de très belles intentions.
Mais les intentions peuvent être aussi belles qu'elles sont, mais ne changent pas les choses. Ce qui change les choses en général et toujours, c'est le fait qu'on fasse face à la réalité et qu'on s'engage dans ce qu'il faut et comme il faut. C'est tout. Peut-être Madame Doki a de belles intentions de flatter le régime Biya, ou bien d'être amis. Ça fait du bien qu'on soit un pays uni. C'est notre pays. Il ne faut pas qu'on parle mal d'Atanganji de Ngongo, qu'on parle mal de N'Djamène, qu'on parle. Oui, c'est des belles intentions. Mais on ne change pas un pays avec les belles intentions. On ne change pas une dictature avec les belles intentions. Monsieur, on se mobilise, Madame. On appelle à la mobilisation de début jusqu'à la fin. Madame, on tient un message de mobilisation. On tient chaque jour un message d'encouragement et de continuité pour les Camerounais qui se mobilisent. Voilà le message qu'on tient. On ne tient pas un message dans un pays où on a besoin de mobilisation, un message où on démobilise les gens en leur disant qu'il faut d'abord qu'ils aillent à l'école de la pensée positive, où ils ont d'abord se transformer à l'intérieur d'eux, ils vont devenir des petits dieux, et ces petits dieux, ils vont commencer à pouvoir affecter la vie d'Atanganji et machin. Atanganji n'a pas une longue vie. C'est de l'ironie, Jean-Marie. Je sais que ce n'est pas lui qui a écrit. On n'a pas le temps là. On n'a pas ce temps. C'est urgent. C'est urgent au Cameroun. Nécessité fait loi, Madame Doki. C'est ce que dit le président de ton parti. Que toi, tu as choisi. Pour qui tu te. Pour celui que, qui est le président de ton parti. Il a dit nécessité fait loi. Et toi aussi, tu es une juriste. Ou bien, je ne sais pas quoi. Maître, ceci, cela. Nécessité fait loi, Madame Doki. Je ne suis pas contre votre envie de transformer les Camerounais. J'ai dit, l'intention peut être bonne. Mais la façon d'articuler vos intentions peut être mauvaise. Et peut-être c'est pour cela. Parce que vous n'êtes pas la première qui dit ça aux Camerounais. Vous n'êtes pas la première qui demande aux Camerounais de se comporter bien comme tous les bons Camerounais ont toujours été. Mais ils ont toujours été pendant 38 ans sous la dictature, la servitude. Ils ont toujours été comme ça. Ça n'a rien changé. Il est absolument nécessaire actuellement que le message de la mobilisation du peuple camerounais, que le message du soulèvement populaire, que le message de la sensibilisation des jeunes camerounais pour qu'ils prennent leur destin en main soit le message le plus vanté, le plus vendu. C'est ça le véritable message pour le Cameroun. Il n'y a pas un autre. Les nosos, les anglophones, ou bien la partie anglophone du Cameroun, elle a choisi de prendre les armes. Moi, je ne dis pas forcément que les armes, c'est la meilleure voie. Ce n'est pas de ça que je dis. Mais je vous pointe que elle a compris qu'il n'y a pas un autre message. Selon elle, c'était qu'on appelle le last level. Mais nous, nous avons encore la chance de nous mobiliser pacifiquement et dans tout le pays. Nous avons encore la chance, nous, en tant que leaders politiques, je dis vous, Madame Doki, et tous les autres, la chance de partir dans chaque quartier et de mobiliser les Camerounais et d'appeler à la mobilisation, à l'éveil des Camerounais. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas leur dire de respecter le régime Biya. Un Camerounais qui respecte le régime Biya ne peut pas se lever contre lui. Un Camerounais qui respecte le régime Biya ne peut pas se lever contre lui, comprenez-le. C'est pour cela que le régime Biya demande le respect. Parce que c'est que dès que vous commencez à le respecter, c'est terminé. Vous perdez vos forces, vous perdez vos énergies. Comment respecter? Vous commencez à respecter quelque chose qui est mal. C'est fini, vous avez signé le pacte avec le mal. Vous savez que vous avez signé le pacte, vous avez dit quelque part qu'il a fait bien. Et si quelqu'un a fait bien, à moitié bien, c'est déjà un pas. Voilà pourquoi, même sur les chaînes de télé, on appelle au respect.
Si tu peux, tu te lèves, tu dis que le régime bien a échoué. On dit, non, non, non. Vous allez voir le journaliste qui va vous dire, non, 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 vous ne pouvez pas dire ça ici, non. Quand même, non, non, je ne veux pas ça. On ne peut pas dire sur cette chaîne de télé que, sur ce plateau que, vous voyez. Et vous avez les gens de l'opposition, de soi-disant opposition ou bien gens du RDPC qui vous disent, non, non, vous voyez, le MS est toujours en train de manquer de respect. En fait, le respect, ils ont besoin de ça. Parce que c'est une arme pour eux qui vous affaiblit. Parce que dès que vous commencez à respecter quelque chose qui est mal, c'est terminé. Respecter veut dire que vous n'allez plus jamais agir contre ça. Ou alors, si vous agissez, vous n'allez pas agir avec la même intensité. Regardez comment vous agissez avec les personnes que vous ne respectez pas. Ou envers les personnes que vous ne respectez pas, ou bien qui ne veulent rien dire pour vous. Vous frappez dur, sec. N'est-ce pas? Parce que dès que le respect est parti, c'est terminé. Le respect est le lien. L'idée du respect, c'est le lien psychologique qui vous pousse à traiter la personne avec beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus de sensibilité. Mais on ne peut pas traiter une dictature comme ça. Je vous dis qu'on ne peut pas traiter une dictature, un pays, un régime qui veut se perpétuer au pouvoir comme ça. C'est impossible. Vous pouvez pas, Madame Toki, c'est impossible. C'est impossible. Et on ne le fait pas parce qu'on est méchant. C'est impossible. C'est pas dans la nature des choses. Parce que sinon, vous êtes en train de dire, Madame Toki, que le fait que Maurice Kamto appelle au soulèvement pour le départ de Biya est un problème. Parce que c'est un manque de respect énorme pour Biya. Monsieur Biya ou bien son régime a pris ça comme étant un manque de respect énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont enseigné une leçon de respect en le prenant et le mettant en captivité. Pendant ce temps, Madame Toki, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas demandé que ce régime respecte le président élu Maurice Kamto. Que ce régime respecte les Camerounais qui sont emprisonnés. Vous n'avez rien dit. Vous restez tranquille. Parce qu'en fait, c'est nous qui devons respecter. C'est le peuple qui souffre. C'est les martyrisés qui doivent se plier, en fait. Ils sont nés pour se plier. C'est la philosophie, là, en fait. Que vous défendez, que nous qui voulons le changement, devons faire des courbettes. Nous qui faisons face à la réalité de la misère de tous les jours et qui avons pris conscience que nous sommes responsables de la changer, que nous devons faut aller vraiment très doucement, très très doucement avec ça. Parce que les autres ne seront pas contents. Les autres vont réagir d'une certaine façon et puis ça va tout gâter. On ne va pas atteindre notre objectif. Il ne faut pas, il ne faut pas. Non, notre but. Le but du peuple camerounais, c'est de se libérer. C'est soit il meurt, soit il se libère. Soit il disparaît, soit il se libère. Donc, il n'y a pas de flatterie à faire. Il n'y a pas de concession à faire. Si vous n'êtes pas prêt à faire, si vous voulez faire des concessions, ça c'est autre chose. Si Madame Doki veut faire des concessions, qu'elle fasse des concessions. Personne ne lui en voudra. Mais elle n'a pas besoin de venir justifier, se justifier qu'attendez, quand je vais faire des concessions, ne me clashez pas. Maintenant, vous préparez psychologiquement, d'abord acceptez que c'est possible de faire les concessions. En vous demandant d'accepter l'idée des concessions, dès que vous acceptez l'idée des concessions, c'est terminé. Elle va aller faire les concessions et vous allez dire, c'est quand même vrai. Hein? Oui, moi aussi, je pense que c'est vrai, c'était bien, c'est quand même ça qu'il faut faire. Il faut unir les Camerounais, il faut que les Camerounais travaillent ensemble, il faut que les Camerounais aient un gouvernement de transition ou un gouvernement de ceci. Là, les Camerounais seront tranquilles avec cette idée. Donc, on prépare d'abord les Camerounais à accepter les concessions avec la dictature. Et maintenant, on va vous dire qu'en fait, oh, vous voyez là, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Et finalement, les Camerounais vont accepter que oui, ça fait partie, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va vous imposer un gouvernement que vous n'avez pas choisi. Mais que vous avez accepté par manipulation.
Il y a des gens qui disent que le même régime dit qu'ils ne peuvent pas discuter avec les Amazoniens. Ils ne peuvent pas discuter avec les gens qui tuent les enfants des autres. Ils ne peuvent pas discuter avec ceux qui font ceci, cela. Cela tue au moins peut-être les enfants des autres. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous, on tue les enfants des autres? Mais est-ce que Maurice Kamto a fait appel à la tuerie des enfants des autres? Hein, Madame Doki? Non. Ça veut dire que nous, on n'est pas dans ce genre de philosophie. Notre combat doit être plus rude, puisque de toute façon, c'est pacifique. Ça doit être plus intense. On n'a pas les armes. Nous n'avons pas les armes, Madame Doki. Nous n'avons pas les armes qui peuvent peut-être se mettre en face d'autres armes que le régime Biyana en quantité incontrôlable. Nous n'avons que la masse. Nous n'avons que le peuple. Nous n'avons que notre courage. Nous n'avons que notre engagement. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. Nous n'avons pas autre chose. Nous n'avons que nos reconnaissances de que le régime a échoué. Nous n'avons que. Ce sont les flèches que nous envoient. Voilà nos armes. Nos armes, c'est le message de leur échec. La répétition constante qu'il a échoué. Voilà les armes que nous avons. Et ces armes ne sont pas ramassées, non. C'est eux qui nous donnent ces armes. Puisqu'ils font des actes qui prouvent qu'ils échouent tous les jours et qu'ils ont échoué. Pourquoi lorsqu'on prend les armes qu'ils fabriquent et ils nous donnent pour les combattre, vous dites que non, on ne doit pas les utiliser. On insulte les gens. Que veut dire insulter quelqu'un? C'est dire aux Camerounais que on insulte les gens dans les réseaux sociaux ou bien qu'on manque de respect aux gens. En fait, c'est vous pensez que vous avez rehausser le conscient collectif camerounais. En fait, vous l'avez réduit. Vous le réduisez chaque jour, chaque fois que vous dites aux gens que on vous insulte et que puisque les gens sont insultés, alors les choses ne marchent pas. Il faudrait plutôt dire aux gens comment faire pour aller au-delà des insultes. Il faudrait plutôt apprendre aux Camerounais que les insultes viendront toujours, ce que vous appelez insultes là. Mais comment vivre au-delà des insultes? Non, au contraire, vous appelez aux Camerounais de céder. On ne veut pas faire mal aux gens en les insultant, en leur manquant de respect, parce qu'ils sont très faibles. Comme les Camerounais sont faibles, gardons les Camerounais faibles. Même s'il faut pour ça abandonner l'idée du changement et du combat de la résistance, pourvu que les Camerounais soient gardés faibles. Je dis à quelqu'un que tu as échoué, lui prend ça comme l'insulte, ça le regarde. C'est sa faiblesse mentale. Et quelque part, sa faiblesse prouve que ce que j'ai dit est vrai. S'il est dérangé par ça, ça veut dire que j'ai raison. Parce que si c'est qu'il n'avait pas échoué, et je dis qu'il a échoué, il allait me montrer les faits qu'il n'a pas échoué. Donald Miniem, le problème, non, j'ouvre pas la ligne. Moi, j'ai un problème avec cette ligne. Chaque fois que j'ouvre la ligne, quelqu'un prend la parole et puis ça tue le live parce que le niveau de son disparaît. Et puis non, non, non. Donc voilà pourquoi j'ai bloqué la ligne d'honneur. Je m'excuse. Mais si tu aimerais avoir une discussion ou bien des échanges, tu peux me contacter inbox. Ou alors tu lances un live aussi chez toi. Et puis bon, on peut. Écoute, chez toi, ça marche peut-être. On peut faire la ligne, quoi. Donc avant, j'ouvrais la ligne, mais maintenant, je ne fais plus. Parce que chaque fois que j'ouvre la ligne, quand quelqu'un prend la parole, ça chute. Et quand ça chute, les gens me disent le son a disparu, le son a disparu, je suis obligé de relancer. Ce qu'on doit dire aux Camerounais, Madame Doki, c'est leur enseigner, les préparer à aller au-delà des insultes. Leur préparer, c'est de quelle façon? En leur disant d'être loyal ou loyaux dans leurs affaires. En leur disant d'être correct dans la gérance des choses. En leur disant de servir leur peuple. C'est comme ça que les gens. C'est la seule défense qu'ils ont aux insultes. C'est la seule défense, parce que les gens vont toujours insulter. La seule défense, c'est ce que vous faites. Quelqu'un vous dit, espèce de bordel, vous vous fâchez. Vous vous fâchez parce que quelque part, vous êtes bordel. Et que vous n'êtes même pas d'accord avec le fait que vous soyez des bordels. En fait, vous aurez aimé ne pas être des bordels, mais la situation de la vie et les choix de vie vous ont rendu bordel. Donc, vous êtes bordel par accident. La personne a juste pointé que vous êtes bordel. Parce que si vous n'êtes pas bordel, quelqu'un dit bordel, vous riez.
Ah oui, c'est son opinion, il ne me connaît pas, la personne, elle ne me connaît pas. Bon, c'est normal, tant que quelqu'un ne te connaît pas, il peut faire des erreurs sur toi. Et puis tu passes, c'est fini, puisque de toute façon, tu n'es pas un bordel, ou tu n'es pas un voyou, tu n'es pas un con, tu n'es pas ceci. Mais on fabrique des Camerounais qui sont sujets. On a insulté, on a manqué de respect. Moi, on ne me manque jamais de respect. Moi, on ne m'insulte pas. Tu vas faire comment pour m'insulter? Tu vas faire ça comment? Comment est-ce que tu vas faire pour m'insulter? Tu vas faire comment? Tu vas dire quoi? Tout ce que tu vas dire, c'est ton opinion. Je vais dire que c'est voilà comment on doit construire les Camerounais, Madame Doki. Parce que c'est quand les Camerounais ont cette mentalité qu'on va vraiment gagner les Camerounais. On ne va pas les gagner en les respectant, alors qu'ils font le mal, alors qu'ils font mal les choses. On ne va pas les gagner en ne pas les insultant. Non, de toute façon, si tu n'insultes même pas quelqu'un qui est en train de faire le mal, il aura des problèmes avec toi. Parce qu'il sait lui-même qu'il est en train de faire le mal. Il a besoin de quelqu'un qui lui dise qu'il a fait le mal. Parce que quand de lui-même, il ne sait plus. Comment se sortir de ce mal? Il est prisonnier de ce mal. Tu dois lui dire que tu as fait mal. Ça arrive. Parce qu'on a l'impression que si on insulte les gens, on leur fait mal. Non, je vous dis, l'insulte est un médicament. C'est les êtres humains qui ont créé l'insulte. C'est les sociétés, l'évolution humaine qui a créé l'insulte. Pourquoi? Parce que l'insulte est un médicament pour transformer les gens. L'insulte n'est pas forcément quelque chose de nocif. Ce que tu conçois comme insulte en général, c'est ce que tu n'aimes pas entendre de toi. C'est tout. Que tu ne voulais pas que ce soit mis sur la place publique. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit est faux. C'est juste que tu ne voulais pas que ce soit mis sur la place publique. C'est là que tu dis, oh, on m'a manqué de respect. Oh, ma machin. Moi, on ne me manque jamais de respect. Et je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Puisqu'on ne me manque pas de respect. C'est ça la démocratie. Dans la démocratie, Madame Doki, on ne manque de respect à personne. Dans la démocratie. Et personne ne manque de respect à qui que ce soit. On échange les idées, on pointe les fautes, les erreurs, et on a le courage de les changer, d'avancer. Si on n'a pas le courage, on vous déclasse. C'est comme si vous n'avez pas le courage, on vous déclasse. On utilise les moyens pour vous déclasser puisque vous n'avez pas le courage de reconnaître vos erreurs. Et il y a un ami qui dit que, mais elle n'a jamais demandé qu'on respecte le président élu Maurice Kamto. Elle prend pour acquis que le peuple camerounais va apprendre à respecter, comme le peuple camerounais ne respecte pas Biya. En fait, il respecte Maurice Kamto. Non. Quand c'est un manque de respect, ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont en face. C'est une qualité. Le manque de respect, c'est une qualité. Donc, ça veut dire que si tu veux qu'on respecte Maurice Kamto ou bien Biya, tu dois pointer le respect pour Maurice Kamto et tu dois dire pourquoi on doit respecter Maurice Kamto. Tu dois dire pourquoi on doit respecter Biya. Tu ne peux pas dire respecter Biya. C'est impossible. Respecter le gouvernement. Parler normalement aux gens dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que veut dire parler normalement à quelqu'un? Si quelqu'un donne son avis, on se verse sur la personne comme si la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Doki? Quand vous donnez votre avis, vous le mettez sur la place publique, vous êtes un homme politique, vous êtes un leader d'opinion, votre avis sera critiqué. Positivement comme négativement, il y aura une critique. Alors, sinon, vous vous taisez. Sinon, vous vous taisez. Quand Madame Tokiev est sortie de prison, elle est directement partie à Paris. Dans le barreau de Paris, parce qu'elle semblerait être quoi du barreau de Paris. Et quand elle est rentrée de Paris, c'était terminé. Remarquez très bien. Madame Doki est quittée de la prison. Elle est partie dans une cérémonie du barreau de Paris. Dès qu'elle est rentrée du barreau de Paris, c'était terminé. Elle a disparu de la scène politique. Doucement, doucement, elle est restée dans l'ombre. Dans l'ombre. Et j'avais des amis avec qui je bavardais souvent, on causait de ça. Et puis on se disait,
que voilà, Madame Doki, elle a, je le disais toujours, Madame Doki fait un travail dans l'ombre. Madame Doki fait un travail dans l'ombre. Je ne sais pas lequel, elle partait, elle monte ici, je l'ai vue dans Equinox, elle parlait aux militants et tout, elle fait un travail dans l'ombre. Maintenant, ce qu'elle fait dans l'ombre, en fait, on est en train de voir. Moi, je suis en train de voir ce qu'elle fait dans l'ombre. Au départ, j'accorde le bénéfice du doute, mais j'observe tranquillement. Je regarde. Je regarde. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert sous le soleil. Rien. Madame Doki est sortie de prison directement. Elle est allée au barreau de Paris. Rappelez-vous très bien. Quand elle est rentrée de là-bas, c'était terminé. Tous les politiciens qui sont sortis de prison, qui sont allés au barreau de Paris ou qui sont allés à l'église, sont rentrés changés. Ont commencé à combattre la résistance ou du moins les idées de révolution. Il y a Ndjamena qui est parti à l'église remercier le Seigneur de l'avoir libéré, pas remercier l'engagement des Camerounais pour la liberté des Camerounais. Non, il est parti remercier le Seigneur. Où est Ndjamena aujourd'hui? Il n'est plus là. Quand tu remercies le Seigneur, c'est terminé. Parce que le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Sinon, tu retournes en prison. C'est le Seigneur qui t'a libéré. Donc, quand tu pars remercier le Seigneur, c'est terminé. Billet parti, remercier, faire rendre compte à la France. C'est pas ça. Tout le monde qui. Quand le Seigneur te dit quelque chose, merci, Mamou Amadou. Merci. Toutes ces personnes qui sont parties, tous remercier les seigneurs, le Seigneur, dès qu'ils sont rentrés, la révolution était terminée parce que le Seigneur dont on vous parle n'aime pas la révolution. Mathieu. Le Seigneur dont on vous parle est contre la révolution. Voilà pourquoi je vais toujours vous le répéter. Il sera très difficile pour un chrétien d'être consistant. Parce que l'état d'esprit, la psychologie, le mental est structuré à ne pas être constant dans les luttes contre le statu quo. Les livres qu'ils lisent les construisent, ça les fabrique. Les dieux auxquels ils prient les fabriquent, les créent. C'est pour ça qu'ils ont dit que Dieu a créé l'homme. Parce que les dieux auxquels ils prient les créent, ça crée le genre d'homme qu'ils sont. Ils ont la peine à être constants. Parce que, au fond d'eux, on leur interdit de se lever contre César, contre Dieu, contre l'autorité d'un pays. Donc, même lorsqu'ils se lèvent contre le côté d'un pays, c'est un bug de programmation. C'est pour cela qu'on les a aussi frappés très dur. Remarquez très bien qu'on les a frappés très dur. On a tiré sur eux. C'était une façon de corriger le bug du programme. On a tiré sur eux. Parce qu'ils ne sont pas supposés se rebeller. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Il y a eu une erreur. Ça, c'est mon avis. Je vous dis, les gens qui croient en Dieu, faites très attention. Ils peuvent être des réformistes. Ils peuvent être des Martin Luther King, je ne sais pas quoi. Des réformistes, mais pas des révolutionnaires. Pour faire tomber une dictature, on a besoin de révolution. Une révolution mentale, psychologique, spirituel même.
On ne peut pas se satisfaire. La religion ne peut pas faire ça. Parce que la religion a participé à la création de la dictature. Donc la religion ne peut pas combattre. Einstein disait que l'esprit, l'état d'esprit qui a créé le problème ne peut pas le résoudre. C'est impossible. L'état d'esprit, pour que tu résolves un problème, il faut que tu aies changé d'état d'esprit. Donc pour moi, s'il faut que Mme Doki revoie sa position, qu'elle sache qu'elle doit se régner. Madame Doki, vous devez vous régner totalement. Vous devez régner vos croyances. Vous devez régner votre personne actuelle. Vous êtes actuellement le fruit de la dictature. Vous êtes actuellement le fruit de la servitude. Vous n'êtes pas encore votre potentiel. Et la révolution, le changement ne va que venir si nous devenons le potentiel que nous voulons devenir. Si nous devenons le potentiel que nous sommes appelés à devenir. Oh, mais ça, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas. Ce que vous êtes actuellement, vous êtes ceux qui sont respectueux. Vous êtes une femme respectueuse. Vous êtes une femme civilisée. Vous êtes une femme aimable. Vous êtes une femme, je ne sais pas quoi. Vous avez des qualités. Toutes ces qualités actuellement sont contre la révolution. C'est ce que je vais dire. Devenez une femme qui n'est pas respectueuse. Devenez une femme qui n'est pas aimable. Devenez une femme qui est, je vais dire, vraiment, avec qui on ne peut vouloir rien faire. Vous allez vous constater ce qu'on appelle la révolution. Demandez à Maurice Kamto, demandez à Boubou Nissa, demandez à Alain Fogué, demandez à tous les Camerounais qui sont devenus autre chose que ce qu'ils sont. Vous allez voir où ils se trouvent. Peut-être vous avez peur de vous trouver dans cette situation. Peut-être vous savez que si vous devenez le contraire de ce que vous êtes actuellement, vous serez du côté de la liberté. Mais vous avez peur de la liberté, Madame Doki. Si vous devenez libre, que sera Madame Doki dans un Cameroun libre où il y aura tellement d'avocats, où il y aura tellement de maîtres? Elle va disparaître, Madame Doki va disparaître. On a écrasé combien de maîtres femmes pour que Madame Doki existe? Combien ont été martyrisés par ce régime, écrasés par ce régime pour que Madame Doki existe? Il est possible que inconsciemment vous ne soyez pas pour véritablement pour le changement, peut-être parce que vous avez beaucoup investi dans la dictature. La dictature vous fait vous voir, peut-être. La dictature vous met à l'avant, peut-être. On parle de vous. Et vous vous dites, si tout le monde dit, si le pays va bien et que les gens, les choses changent, peut-être vous allez disparaître. Vous serez une simple Camerounaise, un être vivant quelque part dans les rues de Douala ou de Yaoundé, en train de chercher les raisons de son existence. Peut-être vous avez peur de ça. Parce que la liberté viendra seulement lorsque vous allez devenir le contraire de ce que vous êtes maintenant. Parce que ce que nous sommes maintenant, majeure partie des Camerounais, nous sommes le produit de la dictature. Voilà pourquoi on n'arrive pas à nous libérer, se libérer de la dictature. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler, attention, faites attention, vous êtes en train de vouloir vous libérer. Vous êtes en train de vouloir vous libérer. Vous êtes en train de vouloir vous libérer. Si vous voulez même vous libérer, faites comme ça, calmez-vous. Cachez. Taisez-vous. Flattez le portier, le bourreau. Le bourreau. Le chef des portes de la prison, si vous le flattez, vous sortez de la prison. Il est votre maître. Vous lui devez quelque chose. Même s'il a accepté de vous flatter, vous lui devez quelque chose. Vous n'êtes vraiment pas libre. Si vous avez flatté le bourreau et qu'il a ouvert la porte, il vous a laissé partir, c'est soit il vous a envoyé faire un coup dehors, soit vous avez fait un deal, vous n'êtes vraiment pas libre. Mais si vous avez attrapé le bourreau,
vous l'avez mis par terre, vous l'avez mis hors d'état de nuire et que vous êtes libéré, c'est vous qui êtes libéré. Vous ne lui devez rien. C'est vous le responsable. C'est ça la différence. On peut s'évader d'une prison de deux façons. Soit on traite à vous le bourreau, il nous laisse sortir, mais il reste le bourreau. Il peut nous reprendre d'un moment à l'autre. Soit on l'attache, on le met hors d'état de nuit et on sort et c'est terminé. C'est nous qui sommes les maîtres. Merci de m'avoir suivi. C'est ce que je voulais dire ce soir à propos de Madame Doki. Le commentaire que j'ai fait à propos de Maurice Kamto sur sa sortie, qui était une réponse claire à Madame Doki, à mon avis. C'était une réponse claire à Madame Doki sur la responsabilité de Madame Doki. Elle est responsable de tout ce qu'elle dit aux Camerounais. Elle est responsable. Mais qu'on ne peut pas changer le pays si on ne prend pas nos propres responsabilités. Si on pense que le régime là va changer ça, vous mentez. Madame Doki, vous mentez. J'ai vu la sortie de Madame Doki qui remerciait, qui reconnaissait la capacité de Cabral Libi, qui est un grand politicien, parce que Cabral Libi est un grand politicien. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait un politicien un grand politicien? Un homme politique. Qu'est-ce qui fait un homme politique un homme politique? Parce qu'il a des députés. Parce qu'il a des conseillers municipaux. Madame Doki, c'est vrai, dit que M. Cabral Libi est un grand homme politique. C'est de la flatterie, comme d'habitude. Que direz-vous de M. Kamto? M. Kamto avait dit, oh vraiment, j'admire le courage de cet homme. J'admire le fait que cet homme est tellement engagé pour le Cameroun. Il se donne. On a besoin que vous dites qu'il est un grand homme politique. Parce que les gens engagés pour leur pays sont des millions au Cameroun. Chaque Camerounais peut vous dire qu'il est engagé pour son pays, il se donne. Ça veut dire que lorsque vous parlez en politique, au moins vous devez faire la part des choses. Il s'agit de la politique. Il s'agit de Kamto, vous n'avez pas dit que c'est un grand homme politique. Cabral Libi est devenu un grand homme politique. Pourquoi? Parce que Cabral Libi a des places dans la dictature. Parce que Cabral Libi il s'est infiltré dans la dictature. C'est ce que vous aurez aimé. Mais ça n'a pas été le cas. Vous ne pouvez pas associer à Maurice Kamto, président élu par les Camerounais, que vous avez défendu le statut de grand homme politique. Non. Vous ne pouvez pas, puisque Maurice Kamto n'a pas les gens à l'Assemblée. Vous admirez Cabral Libi. Pourquoi vous l'admirez? Pourquoi vous admirez Cabral Libi? Qu'est-ce que Cabral Libi a fait pour le Cameroun? À part avoir des positions. Pourquoi vous admirez Cabral Libi? Vous admirez tout le monde. Vous êtes une femme qui admire tout le monde. C'est bien, c'est bien. Vous pensez que si vous dites c'est bien à tout le monde, vous allez gagner le cœur de tout le monde. C'est comme ça que les flatteurs sont. Ils vivent aux dépens des gens qui les écoutent. Vous êtes une flatteuse, Madame Doki. Vous flattez votre ascension. Vous flattez votre position. Vous flattez votre chemin à la tête du pays. Vous le flattez. Vous suppliez. Vous vous mettez à genoux. Vous rampez. Tout le monde pour vous est bon. Vous n'arrivez même plus à dire que quelque chose est mauvais. Tout le monde pour vous est bon. Parce que si vous dites à tout le monde qu'il est bon, les choses seront bien pour vous. Personne ne va se fâcher contre vous.
Vous évitez que les gens se fâchent contre vous parce que vous savez que si on se fâche contre vous, vous n'aurez pas leur faveur. Les gens qui veulent avoir les faveurs des autres trouvent toujours qu'ils sont bons, trouvent tout le monde bon. Ils veulent avoir les problèmes avec personne. Ils aiment le confort. Ils veulent manger, ils veulent boire, ils veulent relaxer. Alors il faut faire le problème avec personne. Il ne faut pas avoir des positions claires. Il faut mettre tout le monde est bon, tout le monde. Je vais passer si tu es mon ami, toi si tu es mon ami, toi tu es mon ami. Non, on n'a pas d'ennemis parce que pour nous, tout le monde est bon. Parce que quand tout le monde est bon, on sait que je peux entrer dans le bureau si aujourd'hui, on va me donner mon million, je peux entrer dans le bureau de telle personne. On va... Et puis les Camerounais se disent qu'un bon politicien, puisqu'on parle de Cameroun, soit uni. Le Camerounais doit être uni. Le Cameroun doit être uni. Tout le monde se dit, ah ouais, il faut qu'on soit unis. Oh, une image Cameroun unie où tout le monde s'aime, s'embrasse. C'est dans vos rêves, ça n'existe pas. Un Cameroun uni, où tout le monde est bon et tout le monde sait qu'on sera bon, on s'aime, on peut entrer partout. Chez tout. Cette vie de village, ça n'existe plus. Et oubliez, ça ne va plus jamais exister. Plus on se développe, pour se développer, on est obligé de se faire les ennemis. Et on va se faire les ennemis, même si on, même quand on ne le veut pas. Même lorsqu'on ne le veut pas. Si on veut se développer. On doit abandonner certaines personnes. On doit accepter de perdre certains amis. Si on veut se développer. Si on veut avancer. Mais si tu ne veux pas perdre tes amis du village, tu ne vas pas te développer. Tu ne vas pas quitter le village pour aller à Yaoundé. Tu ne vas pas trouver au travail. Tu seras toujours... Non, je ne peux pas partir loin de mes amis. Il y a Ekoto Malmezui qui dit « MRC est-il devenu un parti où la pluralité des opinions n'existe pas, une dictature de parti ?» Ekoto Malmezui, là... Le MRC est un parti où la liberté des opinions existe. La liberté des opinions veut dire que un membre du MRC sort son opinion et un autre membre lui dit et critique son opinion. C'est ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Je suis simplement en train de critiquer les opinions de Madame Doki. C'est tout. Et c'est ça la liberté d'opinion. On est constamment dans le MRC à la recherche de l'idéal, la recherche du meilleur, de la perfection. On n'est pas parfait au MRC. Mais toute activité dans le MRC, c'est pour but de trouver l'idée prédominante, l'idée suprême en ce qui concerne l'objectif qu'on s'est fixé. Ça doit aussi être comme ça, madame, monsieur, c'est Menzui ou c'est, attendez un peu, Ekoto ou monsieur Ekoto. Ça doit être comme ça même dans votre foyer. Bon, je ne vous apprends rien. Mais permettez-moi de vous dire que même dans la maison, avec votre femme, vos enfants, vous devez apprendre à argumenter, à critiquer les idées. Dans le but d'atteindre l'idée suprême. Ça veut dire que lorsque tu émets une idée, dépendant du contexte, de l'objectif que vous avez, tu émets une idée, vous posez, est-ce que cet objectif, on pourra l'atteindre avec cette idée? Quelqu'un d'autre te dit non. On émet. Le plus logique gagne. Le plus argumentatif gagne. Le plus rationnel gagne. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça qu'on y arrive. Ce n'est pas en se taisant. Ce n'est pas en laissant les gens parler juste. Imaginez-vous si vous avez votre femme ou votre mari dans la maison. Il donne son idée, tu donnes ton idée et puis chacun est tranquille. Ou alors il donne son idée et puis toi tu ne dis rien. Tu auras l'impression que tu vis dans une dictature. Tu vois un peu. Donc, le but de nos discussions, de nos lives, de tout ce que tu vois là, c'est en fait le jeu pour l'idée suprême qui va nous mener dans le but que nous sommes fixés dans le MRC. Imposer au Cameroun une démocratie, une réelle démocratie, un véritable état de droit.
Et nous sommes dans l'exercice de cette démocratie et c'est cet état de droit. OK? Ça ne s'apprend pas ailleurs que de cette manière-ci. Wellington dit que sauve, oui. Oui, Wellington, j'ai finalement compris. J'ai finalement compris. Puisque je le dis toujours, moi j'accorde le bénéfice du doute aux gens. Je ne juge pas les gens au premier reflet où je vois peut-être une erreur. Non, je préserve les erreurs pour moi. Je regarde, je les observe jusqu'à ce que mon temps arrive où je peux prendre parole sur les personnes. Donc, j'ai finalement compris. Nous nous sommes fixés d'instaurer un état de droit au Cameroun, une réelle démocratie, de participer à la résolution de la guerre au Nosso. Et pour ça, on regarde, est-ce que l'argument que je donne là, est-ce que c'est possible d'atteindre avec ce que tu dis, que tu donnes, est-ce que c'est possible d'atteindre? Moi, si je te donne mon argument, je te dis, OK, regarde, chaque fois qu'on a fait comme ça n'a pas abouti à ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer par là. On peut passer comme ceci. Tu peux te tromper peut-être dans ta façon de voir les choses. Tu peux te tromper, tu as de belles intentions. Mais est-ce que dans la réalité, c'est comme ça que les choses fonctionnent? Et si la personne est ouverte, Maître Ndoki est ouverte ou je suis ouvert, et on discute, il faut qu'on ait l'honnêteté et l'humilité d'accepter que tel son argument est plus proche de la réalité que le mien. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas accepter. On ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas avoir de leader politique. Aucune lutte de résistance dans un monde n'a été faite par de vagues. Il n'y a que le régime Biya qui fonctionne avec les photos. Dans le monde où, dans un monde tout marche, il y a toujours eu des leaders. On ne peut pas se retirer l'idée de Maurice Kamto comme étant le leader de la résistance. Demander ça aux Camerounais, c'est tuer, c'est détruire la résistance de leur intérieur. Demander aux Camerounais d'oublier, d'omettre, de faire fi. Qu'il ne s'agit pas, c'est très belle parole. Maurice Kamto lui me l'a dit qu'il ne s'agit pas de lui. Mais ça ne veut pas dire que les Camerounais ne le voient pas comme lui. Il a dit, chacun d'entre nous a un poster de quelqu'un dans sa chambre qu'il apprécie. La personne n'avait jamais dit, appréciez-moi, mettez-moi sur votre, dans, sur vos, sur vos, accouchez-moi sur vos murs. Mais c'est le regard qu'on porte, la valeur qu'on donne à cette personne qui détermine où est-ce que la position qu'elle prend pour nous dans notre vie. Donc, demander aux Camerounais d'arrêter Maurice Kamto, les gens de Maurice Kamto, ça va arranger beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas parce que Maurice Kamto n'est plus parlé ou chanté que forcément quelqu'un d'autre va se faire voir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est lorsque les autres sont éteints qu'ils vont se faire voir. Non, on se fait voir par le travail qu'on produit. Si tu veux même éteindre quelqu'un, il faut que tu produises quelque chose. Que tu produises un travail qui est soit semblable, soit meilleur à lui. Il n'y a pas une autre façon. Imaginons qu'on ne parle plus de Maurice Kamto. Madame Doki, qui au Cameroun actuellement peut porter la résistance, peut rassembler des gens autour de lui. Actuellement, qui? Je parle dans le contexte de la résistance du Cameroun pour le Cameroun à venir, dont vous-même vous dites dans les lives que vous voulez atteindre, réaliser. Qui est celui qui a la légitimité politique, populaire?
Ça veut dire que si on arrêtait même, disons que nous tous on arrêtait de parler Moïse Campton, on veut le changement, 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 on chante ça. Qui allait être celui qui allait porter ce changement? Parce que tout le monde ne va pas entrer et tout dire. Tout le monde ne sera pas représenté sur les cartes électorales en tant que quelqu'un qui aspire à être président ou à diriger les affaires du pays. Ce sera qui? Ce sera vous, Madame Doki? Mais présentez-vous. Ça sera qui? Ça sera Cabra Libé? Mais qu'il se présente. Qu'il fasse le travail qu'il y a à faire. Mais demander les choses impossibles aux êtres humains, c'est un peu comme demander à des chrétiens de ne pas prier Dieu. Ils ne vont pas prier Dieu. Est-ce que vous avez remplacé ça par autre chose? Leur nature a horreur du vide. Donc, il faut être capable de remplacer ça par autre chose. Sinon, ils vont continuer à prier Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous, le seul, si on peut dire, le malheur que nous avons, c'est que nous n'avons pas prié Dieu. Nous avons choisi de glorifier, de placer, de croire à un homme qui est comme nous, qui est de notre pays. Qui est de notre pays. Qui est humain. Ce n'est pas un homme céleste, c'est pas un homme. C'est un homme qui a un corps frêle. Il est petit de corps. Il n'est même pas peut-être l'homme le plus musclé, peut-être même pas l'homme le plus beau selon les différentes visions des choses. Mais c'est le choix que nous avons fait. C'est la différence. Pendant que d'autres ont choisi Dieu, vous leur demandez d'arrêter de prier Dieu. Ils ne peuvent pas. Nous, on a choisi Maurice Kamto. Et quand c'est choisi, c'est choisi. Les gens qui prient toujours que des personnes disparaissent ou qu'on éteigne la lumière de certaines personnes, ce sont les gens qui veulent tuer la personne. C'est là où je vais terminer mon live. Que les gens qui prient toujours qu'une personne, sa lumière, son aura ne soit pas répandue, ont une inconsciente intention de l'éliminer. Ok? Les gens qui prient toujours, ou qui souhaitent, qui demandent qu'on éteigne, qu'on ferme, qu'on boucle l'aura de quelqu'un, ont toujours une intention inconsciente, profonde, de l'éliminer. Parce que, pour eux, puisqu'ils ne pourront pas éteindre l'aura, ils seront face à un dilemme, face au mur. La dernière chose, il faut le tuer. Ou bien il faut la tuer, la personne. Parce que pour nous, on n'a plus d'autre issue. Mais ce qui est bien avec Maurice Kamto et tous les combattants de la réelle démocratie, de la réelle liberté, libération du Cameroun, ce qui est bien, c'est que ces gens sont immortels. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien avec ceux qui se battent pour la liberté des peuples, c'est que ces personnes sont immortelles. L'immortalité qu'on vous dit à l'église, là, après la fin de la mort, vous allez partir au ciel, vous allez vivre éternellement. Qui vous dit que vous n'êtes pas encore au ciel depuis que vous êtes là et que vous avez seulement tout gâché? Vous avez merdé. Qui nous dit que nous ne sommes pas au ciel actuellement et que au Cameroun là, et que nous avons merdé, nous avons transformé le ciel en enfer? Qui nous le dit? Qui nous dit que nous ne sommes pas au ciel actuellement? Où sont les preuves que nous ne sommes pas au ciel? Et que ce que nous avons merdé. Non. La vie éternelle ou bien l'immortalité que vous partez prier dans les églises là, c'est parce que vous l'avez raté ici sur terre. On demande toujours ce qu'on n'a pas. On demande à Dieu toujours ce qu'on n'a pas sur terre. Pour vous consoler, vous dites, l'homme n'est pas éternel, l'homme va mourir, l'homme va faire... Parce que vous êtes tous focalisés sur vos petits corps. Non. L'homme n'est pas éternel. Mais l'esprit de l'homme, quand il est bien travaillé, structuré pour la libération
est éternel parce qu'il se libère. Il se libère des limites physiques, il se libère des contraintes matérielles. L'homme qui se bat pour la libération des autres hommes est éternel donc. L'homme qui s'active, l'homme qui œuvre, c'est lui qui est éternel. Ce n'est pas celui qui meurt et croit en Jésus-Christ. Non! Ce n'est pas qui vous dit, allons du postulat que nous sommes peut-être au paradis au Cameroun. Peut-être au Cameroun, c'est le paradis. Et on ne sait pas. On a merdé, on a tout gâté, on a tout détruit, on a pillé, on a appauvri tout le monde. On a l'impression que c'est l'enfer. On commence à prier, Dieu, Seigneur Dieu. Oh, s'il te plaît, oh Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, je veux arriver au ciel. Ici, c'est la merde, ici, c'est la merde. Et voilà pourquoi Dieu, peut-être, ne répond pas à vos prières du ciel. Parce qu'il s'est dit, mais, motherfuckers, pauvre petit, stupide, je t'ai mis au ciel, t'es au ciel déjà. T'es au ciel. Tu es juste en train de merder, putain. T'es juste en train de merder, mon fils. Oh Seigneur, envoie-moi au ciel, envoie-moi au ciel. Je veux vivre éternellement. Le désordre qu'on a créé au Cameroun. Le désordre de la vie au Cameroun. Les Camerounais sont tellement habitués au désordre, tellement habitués au bruit, tellement habitués à tout style de mouvement inutile. Vous parlez de la... Ils font la guerre, ils tuent les gens, ils font la guerre entre eux, ils se tuent. Ils emprisonnent les autres, les gens sortent, on met dedans, on met dehors. Vous pensez que ces Camerounais, même s'il y avait le ciel, ils pouvaient être allés au ciel? Puisque c'est eux-mêmes qui disent encore que le ciel est un endroit où tout est en paix, où tout est calme. C'est l'endroit parfait. Et dans la perfection, il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a rien à faire au ciel, vous allez faire donc quoi? Vous êtes tellement habitué à faire la guerre. Vous êtes tellement habitué à vous taper, à souffrir, à crier, à pleurer, à vous taper au sol, à mettre les gens en prison, à les retirer, à faire des conneries. Le ciel sera ennuyeux pour vous. Le ciel sera ennuyeux pour vous. Donc, en fait, vous ne pouvez pas aller au ciel. Tant que nous avons un pays aussi désordonné, nous sommes bons pour l'enfer. Parce que c'est un enfer qu'on saute. Le feu, ça brûle. On danse, on crie, on crie. On crie. Mon enfant, regardez mon enfant. Regardez mon enfant. Ils ont volé mon enfant. Non, ils m'ont volé mon bébé. C'est un groupe de voleurs de bébés qui ont pris des bébés. Ils ont volé, ils tuent, ils vendent des bébés. Ils font. Vous êtes dans l'enfer. Donc vous êtes bon pour l'enfer. Vous n'êtes pas bon pour le paradis. Vous n'êtes pas préparé pour le paradis. Vous pouvez prier vos... Même les églises. Oh, Jésus, oh, boum, 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 Jésus, Jésus, oh, à ta tes âmes. Remarquez très bien. Les églises que les Blancs ont apportées, l'église catholique, ça a pris une autre couleur au Cameroun. Et en Afrique en général, mais particulièrement, je parle du Cameroun. Au Cameroun, ça a pris une autre couleur. Pourquoi? Parce que on est tellement pauvre, tellement misérable, désordonné, pas structuré. On est violent. On fait des choses toujours. À l'Église catholique, avant, on fait, on est en train de faire. Alléluia. Que la paix du Seigneur, ennuyeux. Mais c'était l'entraînement pour le ciel au moins. Non. Le désordre, la malgouvernance, la corruption. Ah, on a même corrompu l'Église catholique. Il n'y a qu'en Afrique et au Cameroun que dans l'Église catholique, on danse les. Avant, il n'y avait pas ça. Non, avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était les endroits calmes. Parce que je me dis qu'eux-mêmes, peut-être, ils voulaient
un peu avoir une idée de comment sera le ciel qu'il propose aux gens. Peut-être là-bas, ce sera ça. On a dit Amen. Mais c'était seulement possible chez eux parce que eux, ils ont commencé à se développer, industrialiser leur pays, construire des routes, mettre des hôpitaux, machin. Au fur et à mesure que tu développes un pays, au fur et à mesure que tu construis, tu gagnes la paix, la tranquillité, la stabilité. Que subitement, tout est calme. On a l'impression que c'est le ciel. Mais chez nous, regardez, regardez les pays, les peuples qui souffrent le plus sont les peuples les plus bougeants dans l'église. Donc il y a un lien entre le bruit dans les églises et la souffrance, la pauvreté. Il y a un lien donc entre la pauvreté et l'enfer. Il y a un lien entre la pauvreté et l'enfer. Un lien entre le bruit et l'enfer. Il y a un lien. Il y a un lien entre le sous-développement, le bruit et l'enfer. Le désordre. Donc, qui vous dit que vous n'êtes pas au ciel et vous avez merdé? Et si même vous voulez aller au ciel, comme je vous connais, vous les chrétiens camerounais, si vous voulez aller au ciel, vous faites comment? Vous devez vous entraîner à vivre au ciel. Au ciel, c'est la paix. Au ciel, selon vous, au ciel, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est les anges qui volent avec des ailes, qui ne font pas de bruit. Tout est tranquille. En enfer, que vous avez décrit, c'est le feu, c'est les cris, c'est les grincements de dents, c'est tout, n'est-ce pas, non? Regardez donc maintenant vos pays et comparez. Ça ressemble à la description de l'enfer ou ça ressemble à la description du ciel? Si ça ressemble à la description de l'enfer, sachez que vous êtes en enfer, mais vous ne savez pas. Et cet enfer, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez fabriqué. Vous ne voulez pas la démocratie. Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas les routes. Vous ne voulez pas construire. Vous ne voulez pas vous battre pour les libertés. Vous vous laissez manipuler par des belles paroles. De restons ensemble. On est unis ensemble. Calmons-nous. Respectons. Les belles paroles, ça ne se fait pas. Ça ne change pas. Vous êtes en enfer. Nous sommes responsables de l'enfer que nous avons créé au Cameroun. Et nous sommes les seuls responsables à le changer. Dia ne va jamais nous faire de cadeau. D'ailleurs, il ne se sent lui-même pas responsable. Pourquoi vous voulez qu'il prenne la responsabilité de changer? Lui-même, il n'est pas responsable. Il a dit qu'il est le meilleur élève de la France. En fait, c'est la France qui est responsable de sa malgouvernance. Parce que s'il n'avait pas été le meilleur élève, il a appris la malgouvernance en France. Si la France lui avait appris, enseigné la bonne gouvernance, il serait sûrement un bon gouvernant. Un bon dirigeant, pardon. Donc, lui n'est pas responsable. Donc, il ne peut pas vous donner ce que vous demandez. Le régime Biya ne peut pas vous donner ce que nous demandons. Il ne peut pas nous donner ça. Madame Doki, le régime Biya ne peut pas nous donner ce que nous demandons. Atanganji ne peut pas nous donner ça. Puisque lui-même, il n'a pas. Ngongo ne peut pas nous donner ça. Puisque Ngongo lui-même, il n'a pas ça. Chantal Biya. Fouan Biya. Njamel. Kabwa Libi. Tous ces gens ne peuvent pas vous le donner. Ils n'ont pas ça. Donc si nous voulons le changement, honnêtement, est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous sommes capables? Oui, nous sommes responsables de ceux qui ont maintenu ce pays dans cette situation et nous sommes les seuls responsables de le faire tomber. Faire tomber ce régime,
C'est nous. Par notre mobilisation massive. Par le fait qu'on regarde toujours les faits. Pas les trucs émotionnels, les trucs émotifs. Les faits. On regarde les faits. Jugez les choses de votre pays par les faits. Utilisez la raison. Si vous utilisez la raison, vous saurez qui est le leader qui actuellement peut porter ce pays vers l'avant. Actuellement. Peut-être en 2025, ce sera autre chose. Si vous regardez les faits, vous saurez ce que le régime a perdu, le régime a foiré ou non. Vous le saurez. Et vous allez décider à partir des faits. C'est ça la raison. Parce que pour le moment, la majeure partie d'entre nous sont victimes de l'amour. Merci. C'était Kwale. Bonne soirée, bon après-midi à tout le monde. J'espère que ça, on a bien partagé et que ce message va atteindre à Madame Doki et que peut-être elle pourra réagir. Bon, je sais qu'elle ne réagira pas. C'est une femme qui respecte tout le monde. C'est une femme qui est civilisée, qui se comporte bien, qui ne discute pas avec les fous dans les réseaux sociaux et gens qui insultent, qui manquent de respect au gouvernement. Donc, je ne m'attends pas à sa réaction. Je m'attends pas à ce qu'elle dise quelque chose à propos. Mais je suis content d'avoir donné mon point de vue en tant que Camerounais sur sa sortie, sur ses multiples sorties d'ailleurs. Et j'espère que j'ai été clair. Selon moi, j'ai argumenté comme moi je vois les choses. Et maintenant, si vous avez des critiques, je suis sûr que vous allez me les bombarder. Parce que chaque fois que je finis de faire un live, en général, je reçois des tas de messages inbox où les gens me disent qu'ils vont me faire perdre quoi, je ne sais pas quoi. Ils vont me faire perdre ce que je n'ai pas. Et merci. Ciao.